هما وحدي في رابيس قالك السلام عليكم يا الجزائر يا ناس الخير ناس الجزائر ناس الجزائر القديمه الجزائر القديمه علاش انا قدام خو اش بيك هكا لي جامي متاجر في الجزائر نعم ما يقول وليد الجزائر لي جامي ما شرا ولا باع حاجه في واد كنيس ما يقول باللي انايا نعرف الناس ومعنا جمال دو واد كنيس مرحبا ان بيرسون الو سي فو الاخر بدا لا ليميسيون ديريكت هي 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 بيانفينو بيانفينو ا توتس ا توس بيانفينو سور نوتو نيميرو سبيسيال دو 2KRY avec mon ami Karim Brouri, Karim Abdemoula et bien entendu notre grand invité d'aujourd'hui capillarité négative. Notre ami Jamel, il les a tous vendus sur Wetness. C'est pour information. N'importe quoi, n'importe quoi. Ouais, je crois ça va. Salut Jamel. Jamel, le mot d'ordre ici c'est rigoler. D'accord. et parler dans le micro. J'essaie de me concentrer entre vous deux. Mais... Non, non, mais c'est une chose. Et parler dans le micro, s'il te plaît. Je parle dans le micro. Je te sens bien top. Jamel, voudrais-tu nous chanter une chanson pour commencer? Karaoke, alors, je t'ai fait traîner venir. Il paraît que traîner est un abbé. زاد النبي وفر ما حبش يغني لك لا لا يبا 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 قال كرامت قامت قاعد حنا عنا إيماج سيريوز منا متبهدلش شوية شوية شكون انت جمال؟ أنا اسمي ديب جمال الدين من مواليد يا عمي هذا انطق 8 نوفمبر 1900 نعم الوغ ديب جمال الدين كوفونداتور اي اسوسي دو لا سوسيتي واد كنيس اديتريس دو سيت انترنت www.wadkniss.com انت حافظ هذه خو بيان Et vous existez depuis longtemps, Jamel ? Parce que moi, je viens de débarquer à Balek sur Alger, je ne sais pas si je suis en train de me faire. Je suis en train de me faire. Karim, tu as une boîte de Knis déjà ? Je suis en train de me faire une boîte de Knis. Je suis en train de me faire une boîte de Knis. Je suis en train de me faire une boîte de Knis. Je suis en train de me faire une boîte de Knis. جسد ملكي دهني اخي الحبيب في ثانويه ال تي الجي لو ليسي احنا ملي تو بروميير برومو دو كي ايتي ميكس او ليسي تكنيك دالجي كي اي ا كلكو متر دو دو فو واد كنيس هيستوريك لو فري لونيك لو ريال اي لوتنتيك اي ابري ا لو فيك لو فو لو درا لو نيميريك لو ديجيتال ان بارلون دو ديجيتال il faut que tout le monde comprennent que c'est pas fake, c'est pas faux et surtout c'est pas virtuel puisqu'il y a beaucoup de d'énergie qui est consommée par tout ce que nous faisons dans le digital et tout de suite évidemment. Quelques chiffres avec notre ami Jamel qui va nous révéler ce soir les secrets de développement du développement de Wad Kniss, le secret de la position dominante de ce site d'annonce, ce satellite qui a émergé en Algérie depuis déjà quelques années, qui a su s'imposer comme étant le site le plus important en Algérie, le site d'annonce le plus important, en totalisant, j'entends par là, la mesure d'audience, ouais, le nombre de visiteurs, etc. Le trafic sur le classement des sites par visiteurs en Algérie. Ah ouais, classement, quelques chiffres ? Quelques chiffres, alors, on va commencer. Bismillah. Alors, Bas, qu'on me donne les chiffres, qu'on te marche, qu'on te chauffe, qu'on te blague, blague. Alors, non, et moi, personnellement, puisqu'on va parler un peu de l'écosystème, blague. Alors c'est pour moi en Algérie en Algérie les deux entreprises du digital qui sont pour moi des
qui ont été à un moment donné des startups, hein, mm-hmm. et bon, pour d'autres sont encore des startups, on va être à débat, c'est Emploitik mm-hmm. et vous. Oui. Alors, ce qui est intéressant, vous avez commencé à la même période, la même année. Alors, je ne sais pas ce que... Alors, Taqafa Amma, moi, je n'ai pas fait de recherche adossée par la force des choses que j'ai croisé Lou Hale en 2006 quand il était mm-hmm. purement Pulse et qui commençait à Emploitik. Mm-hmm. Vous étiez commencé à apparaître sur l'écosystème. Est-ce qu'il y a d'autres startups que tu connais qui ont commencé à peu près à la même période et qui sont dans le digital, hein, bien sûr. Je ne sais pas, est-ce que il y a quoi de rien fait le Titanic. Il y a eu beaucoup de sites internet. Il y a eu des sociétés qui ont aidé à faire émerger un écosystème algérien, comme nos amis de chez Medenco. Mais mis à part cela, là de tête, je peux me rappeler de Zed Music. À l'époque, c'était nos amis Hani ou Hassan. Mais sinon, comme ça, de prime abord, je ne vois pas trop de sociétés qui étaient. Donc tu confirmes. Là, 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 la machine, non, t'as qu'à faire, ma fait, ma noche. Non, c'est pas ça. Non, parce qu'on a à chaque fois une. Je suis sérieux. Non, tu veux savoir la vérité et les Algériens ont besoin de savoir, comme dirait l'Akhol. Ça, c'est mon bras et Karim me demande de retirer mon bras. Je suis un peu. Donc, non, mais sérieusement, parce qu'à chaque fois, quand on parle de ce sujet, qui me dérange quoi les startups du digital en Algérie donc on en a affaire aux autres ou on ne fait pas je me hâte de rejoindre Zaf Mindak non concrètement on vous voit pas très souvent Jamal hein, Wetkness c'est sur ces derniers allez dire le nombre de vues ça se passe sur internet mon ami. oui c'est non ça, c'est ça, que mais alors c'est la blague hein, t'aurais pu appuyer quand même ouais je sais pas hein, je vais le faire hein, bravo thank you very much thank you. Mais non, mais Anna, personnellement, c'est-à-dire que j'aime bien, je vais le dire simplement, il ne faut pas entre l'olitza, les arnaqueurs profitables. La nature n'aime pas. Ah, je suis ma. Tarfoni. Mais je joue, je suis politique. Là, mais dans le sens où, ça veut dire, quand on entre l'espace, la nature a horreur du vide. Donc, les gens qui sont là depuis une dizaine d'années sur le terrain, c'est-à-dire. C'est, peut-être c'est de la tout simplement. Ils n'aiment pas s'exposer, ils sont concentrés sur leur métier. Mais on est arrivé à un moment donné où il faut quand même remettre les points sur les i à l'écosystème. Le blanc, l'équipe, à les couches qu'elles, les couches de là, où je m'endage, à le coup qui m'attire. Tu vois, tu peux citer des entreprises qui ont disparu, qui pourquoi elles ont disparu. C'est pas normal, c'est normal, je sais pas, etc. C'est-à-dire que je suis pas là dans une logique de dire hada khermen hada ou hada kdem hada. Non, c'est pas. Mais un opérateur qu'on peut dire entre parenthèses existe. Historique quoi. L'échec dans la guerre. Voilà, allez, il y a لازم et لازم تعرفوا بها اولا, c'est on le pointe du doigt en disant flan, faut rendre à César ce qui est à César quoi. Et après on construit tous ensemble, il y a pas de problème. Donc c'est pour ça que je te posais la question pour voir est-ce qu'il y avait pas d'autres. Moi je vous vois vous et Lou Hale, l'Emploitik et avec son associé, mais parfois, on ne connaît pas forcément des acteurs qui sont cachés. Hein. C'est, ils ne sont pas dans le dark web. Je pense que je suis dark web. Sûr. Lève la main droite. Enfin bref, tout ça pour dire, c'est pour ça que je voulais aborder ce sujet en disant on a besoin de connaître les acteurs majeurs et Wetkness oui, est parmi eux. Et voilà. Et donc Wetkness qui est établi, hein, ça fait quoi, 10 ans 13. Hein, 13 ans pour être précis, 5 fondateurs. Depuis 13 ans, le premier site d'annonce en Algérie, c'est des annonces de particulier à particulier pour quand vous avez commencé comme ça. Et les choses ensuite ont évolué de manière différente, enfin ont évolué en correspondance avec vos orientations stratégiques, la croissance du marché qui vous a porté. Et dans un premier modèle économique basé uniquement sur la publicité. Et là, je te laisse continuer à en parler toi-même. Basé sur le modèle, on va dire, freemium, ou plus exactement les abonnements destinés aux professionnels. Et je pense, pour rebondir à ta question, c'est un peu là où ça a fait la différence entre les sociétés qui sont nées à la même période et qui sont
vivantes aujourd'hui et les sociétés qui ne le sont pas. C'est-à-dire que les gens, on avait tous démarré avec un premier business model qui était la publicité. Moi, je préférais que tu parles un peu plus proche de ton micro, si tu permets. Mais non, en revanche, ta chaise, tu vas être encore plus à l'aise. Je me sens bien, l'équipe. Allez, je peux l'année. Non, ma trage, tout ça, c'est mes connaissances. Je te disais, la différence majeure, c'est ceux qui sont restés sur ce modèle, ce business model-là exclusivement, la publicité, et ont subi les aléas de ce business model, et ceux qui ont plus ou moins à un temps donné, c'est-à-dire pas switché, mais alterné avec un autre business model, qui est pour notre part le modèle freemium, et qui peut être pour Emploitique également les services à destination des professionnels, etc. Ce qui a permis à nos deux sociétés respectives de survivre et de passer le cap de plusieurs périodes sensibles. De mémoire, comment ça marche, Woodkinis? Alors, de mémoire. Donc, Woodkinis, c'est assez simple. S'il y a quelqu'un qui veut vendre ou proposer un service, il n'a qu'à s'inscrire et déposer son annonce. Cela se fait gratuitement pour les particuliers. La différence entre un particulier et un professionnel est principalement liée au nombre d'annonces que vous voulez poster en même temps. Si, par exemple, vous voulez vendre occasionnellement une voiture ou un bien immobilier, ça reste gratuit. Pour les acheteurs, c'est simple. Vous vous dirigez vers votre CNIS, vous tapez sur votre moteur, sur la barre de recherche et l'aventure commence. Ok, super. Aujourd'hui, c'est combien de visiteurs par jour, tu avais dit? Alors, par mois, c'est par mois, c'est mieux. Ouais. Par mois, pour cette année, ça avoisine une moyenne de 1 million de visites par mois. Ok. Ce qui nous Maintenant, vous êtes sur le mobile et sur le... Sur le desktop, avec un peu plus de 75-80% du trafic mobile. Mobile. Enfin, vous êtes... Alors, je n'ai pas vu là... On en parlera, parce qu'il y a une actualité sur une refonte de votre UI, UX, je suppose, toute la totale. Mais sur l'ancien UI, sur l'application, c'est une web app, je suppose. Donc, est-ce que vous avez une information qui est très intéressante? Est-ce que très sera le nombre d'installations, hein, on s'en fout. Mais est-ce que vous avez réussi à calculer le nombre de désinstallations? Je peux dire on s'en fout aussi, mais pas. Non, parce que l'essentiel du trafic vient du web mobile. C'est-à-dire que l'application, certes, est là pour servir à une utilité, mais on reste très pragmatique. Et d'un point de vue gestion de l'infra, il est beaucoup plus pertinent pour nous de rester sur une technologie purement web, que de passer sur l'applicatif. Ça va venir. Ça va, les mois prochains vont nous apporter des nouveautés, moi je l'espère, de la part de notre équipe technique, mais l'essentiel reste sur le web. Donc du coup, c'est en mesure, on a nos KPI sur le web mobile et non pas sur les applications. Ok. On a dit quelque chose comme 2 millions de visiteurs, 1 million de visiteurs uniques par mois. C'est un peu difficile de définir. De l'identifier, je suis d'accord avec toi, mais bon, sur la base de ton analytique, ça doit être autour de ça. On va dire qu'on a un trafic. C'est un peu marrant pour ceux qui utilisent Analytics. Nous, on est dans une zone grise en utilisant Google Analytics parce qu'on a dépassé le quota alloué à Google Analytics. Et du coup, on tombe beaucoup sur l'échantillonnage. Ouais. Et il se met en mode là. Et on fait face à une solution qui est beaucoup plus coûteuse pour ceux qui veulent chercher Google Analytics, combien ça coûte en premium. Il faut bosser. Il faut en faire. Donc, des ventes. On a beaucoup de solutions alternatives pour checker nos metrics, mais ça va. Bon, en gros, le trafic, les visites, les usages de Watkins se portent bien et sont en petite croissance, disons, ou sont stabilisés depuis pas mal d'années déjà. Est-ce que vous avez senti le poids de la concurrence si elle existe? Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, dans le panorama que nous avons aujourd'hui, hein, notamment sur votre modèle premium, freemium, mais sur la partie store, on voit aussi apparaître un tas de sites e-commerce qui pourraient quelque part cannibaliser un petit peu vous concurrencer sur un certain nombre de produits. On a vu aussi ce même modèle se dupliquer chez certains de vos concurrents, ou qui proposent aussi à des vendeurs d'avoir des boutiques. Okay, donc on est un petit peu aussi dans la même logique. Est-ce que vous l'avez senti, ou la question du coup, c'est de savoir est-ce que les gens sont mono usage ou multi usage?
Alors essentiellement, ils sont multi-usages, c'est normal. Ils s'essayent sur d'autres plateformes algériennes et non algériennes, pour ne pas citer que les acteurs locaux. On fait beaucoup d'enquêtes d'opinion, entre parenthèses. On essaie de dialoguer avec nos clients. On a beaucoup de clients qui restent sur notre plateforme et qui dit client, c'est-à-dire ils payent leur abonnement, et donc du coup, s'ils payent cet abonnement-là, c'est qu'il y a une valeur ajoutée derrière. Ils ne le font pas juste pour nous faire plaisir. Et la métrique, c'est importante qu'on a, c'est-à-dire essentiellement sur le marché algérien, on ne sent pas de concurrence, ou du moins direct sur le business des annonces. Après, si vous voulez, on parle d'autres types de business, mais sur le business des annonces, on ne ressent pas une concurrence. La seule... Facebook Market ? Ça, j'allais y venir. Le Facebook Market est très bien pour avoir pour prendre le langage du Facebook, du reach, c'est-à-dire que vous avez une grande visibilité et c'est bien pour l'image de marque, mais en termes de vente, les gens sont beaucoup plus satisfaits sur le retour d'investissement fait sur Watkins, qui est payant, que celui fait sur Facebook. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la preuve à ce que je dis, c'est le fait que les gens continuent à payer leur abonnement et en soient satisfaits. C'est-à-dire qu'ils n'aient pas migré totalement vers des plateformes comme Facebook, où le trafic est un peu plus mixé. On va dire que sur Watkins, l'audience est... on va dire 100% intentionniste, ce qui n'est pas le cas sur Facebook. D'accord. Généralement, puisqu'on en avait parlé sur une émission, on avait parlé de e-commerce. Le majeur acteur aujourd'hui africain, c'est Jumia. Alors, vous n'étiez pas en frontal. Je pense que là, vous êtes passé pour être un concurrent frontal de vous-même. Mais bon, parce que vous allez cannibaliser sur vos propres clients. Ça dépend des verticales. C'est ça. Voilà. Bon, mais on va pas rentrer dans cette logique parce que sinon on va rentrer dans un cours de stratégie. Mais en fait, on en parlait la dernière fois. Les gens comme Jumia, eux, quand ils vont dans des pays, Houmaten est le premier concurrent. Leur fait du mal, c'est vraiment les annonces, les réseaux sociaux, c'est mal le réseau de connaissances qui se crée sur les réseaux sociaux. Après, les concurrents qui peuvent voir en vous, et sûrement qui voient en vous, eux, bon, parce que vous êtes là pour acculturer, il y a assez de place généralement sur le marché. Et alors, généralement, mais parce que Rolo, c'est des locaux, ils prennent fibre d'adam. Donc, la vraie question aujourd'hui, ok, la clapitère, un problème. Si tu te lances Watkins à faire du e-commerce et que tu vas te lancer à attaquer la logistique, parce que voilà, c'est à un moment donné, tu vois, c'est ce que ça veut dire le e-commerce, c'est faire de la logistique. Si tu vas t'amuser à faire le petit Amazon algérien, on va le dire comme ça, pour rester en petit, si tu arrives à le faire fonctionner en Algérie, c'est bon, tu es en train de le faire fonctionner au Maroc, tu peux le faire fonctionner en Tunisie, tu peux le faire fonctionner dans plein d'autres pays. Alors aujourd'hui, est-ce que vous êtes dans une logique de voir l'Algérie comme un grand prototype qui vous fait amener de l'argent forcément, mais un grand prototype dans une logique d'attaquer maintenant des marchés et aller encore plus loin dans une logique de concurrence en face d'un concurrent qui s'appelle Jumia aujourd'hui en Afrique. Alors, comme tu l'as dit, l'Algérie est un pays assez grand et pour nous occuper à plein temps et ne pas nous laisser trop de marge pour réfléchir à l'international, ce qui ne veut pas dire qu'on n'y réfléchit pas. Second point, Jumia essaie d'imiter un modèle, comme tu l'as dit, d'Amazon. Nous, on est plus sur un modèle, on va dire, plus limitrophe à celui des annonces, qui est le modèle d'eBay. C'est-à-dire, on essaie de... un des principes de Watkins, c'est d'être la plateforme pour tout le monde et non pas être le vendeur principal. La différence entre les acteurs, comme tu l'as cité, Jumia et autres, qui, eux, mixent un peu entre Homebio ou Nestbear. Et donc, du coup, ça crée une certaine tension sur leur inventaire ou du moins sur leur rapport avec les partenaires qui sont sur le marché. Tension supposée, pas certaine. On peut imaginer ça. Par contre, on laissera les gens de Jumia parler de Jumia. Moi, je préférais qu'on parle de Watkins. Je parle du modèle. Du modèle, bien évidemment, et non pas de Jumia en particulier. Je n'ai pas de connaissances
On va dire que l'avantage d'être... Bientôt, tu verras sur Wetness, 20 sites e-commerce. L'avantage d'avoir dans un écosystème des sociétés comme Jumia, c'est que c'est des sociétés qui sont en bourse. Mmh. Et donc, du coup... ça ne fait pas très longtemps. Oui, mais ça veut dire que je peux me baser sur des rapports officiels. En parlant de la bourse, envisagez-vous une introduction en bourse, mon cher ami Jamel? Inch'Allah. Capitalisation à 1 milliard de dinars, ce qui ne fera pas de vous une licorne. Alors, je sais pas, il y a eu votre chiffre d'affaires, il tournait sur les plateformes. On parlait de votre chiffre d'affaires. Je pense que c'est toujours un sujet extrêmement délicat à aborder, le chiffre d'affaires. كما احبابنا تاع واحد الشركه اون دو فا ما ديرش البيلون دونك ديبوزيو البيلون تاعنا كي انسكري او غريف سي ان ار سي تو سا اضعف الايمان عندكم لابونمون في سجلكم جو كرو سي علي 3 ملايين العام شوف بداو بالشركه تاعي وجوزونا كاع بالكريب وزافي نو كونت سوسيو دونك نوت شيف دافير فو سافي سي اون انسكري دون لي فرودور سي با اكسيتيرا 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 سوفي جوست كو فو ميم فو سوايي اون انتربريز كي افي دونك ان ريجيستر دو كوميرس كي فو دونك سي il faut qu'on dépasse حنا لي زاجان il faut que rapidement c'est ma gagne nahdro wa net france ana na min dirou kulch kima france entre autres had la tendance à avoir un comment dire hachma kbira ala nahdro ala les chiffres ta dram type les salaires type le chiffre d'affaires or que c'est des données publiques hein, voilà et ma fait aib au contraire bien au contraire ça donne des exemples ça encourage les gens ça permet de voir la taille des clients la taille du marché etc. Alors, l'aïn, on خافوا من l'aïn. L'aïn, يا اخي مؤمن. خويا دير ربي في قلبك ودات الكرسي وقدام هذا ما كان كان افي كونتر افي. Mais bon, juste pour j'allais je vais dans ce domaine, enfin dans cette logique parce qu'à un moment donné, bien sûr, si tu vas attaquer d'autres pays, grossir et tout ça, il faut du fric hein. C'est-à-dire tu peux pas tu ne peux pas le faire à partir de l'Algérie. Voilà, à un moment donné, toto financier. Tu ne peux pas le faire. Alors, nous on le voit. Je savais pas comment diplomatique. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas de diplomatie, là, tu vas, tu caches. En plus, avec Karim Brouilly, on peut y aller. Je pense que tout le monde le sait. On leur a dit en face to face à tous les décideurs. Les nouveaux, on leur dira encore, il n'y a pas de problème. Donc, Lyoma, les startups Tawana, pas chez les startups, les entreprises Tawana, ils veulent lever de fonds, ils ont intérêt à créer des entreprises hors Algérie. Parce qu'il n'y a aucun. Pour leur expansion, aucun fonds d'investissement qui est prêt à mettre de l'argent en Algérie dans une start-up algérienne. Comment te dire, tu n'as pas le droit non plus. Tu n'as pas le droit. Non. Si, tu as le droit. Allez, 51-49, tu as le droit. Ou rahti tbeddel. Donc, aujourd'hui, c'est pas la forme juridique qui fait peur. C'est l'environnement des affaires qui fait peur. Je crois que si tu es dans un pays où tu as un droit et que tu as un droit, tu investis, tu as un VC, tu as un droit, tu as un droit, tu as un droit. Alors, c'est bête parce que comme ça, on pourrait attaquer d'autres... Allez, Jamel, je te laisse. Nous, ce que tu vas faire. Jamel, quelle est la proposition de valeur de Wetness? En fait, c'est quoi le service? Bon, on a compris, c'est un service d'annonce, etc. C'est de la mise en relation, essentiellement. C'est de l'exposition au marché. Mm-hmm. Tu permets à une entreprise de s'exposer sur un site d'annonce, entre guillemets, et s'exposer sur le marché. Et d'avoir une audience potentielle. À fort potentiel algérien, mais également international. Et je me rappelle aussi d'un petit claim que je t'avais donné à l'époque. Tu t'en rappelles ou pas? Je ne sais pas. Accélérateur de transactions. Oui. Tu t'en souviens? Je m'en souviens très bien. Donc je pense que j'ai utilisé vraiment. À maintes fois. Cling, je viens de gagner de l'argent. Merci beaucoup. Donc oui, Wetkni, c'est un accélérateur de transactions puisque finalement, en quelque sorte, vous permettez... Où il est en train de le devenir de plus en plus. Alors vas-y, dis-nous, c'est quoi l'actualité, la nouveauté? Qu'est-ce qui se passe chez Wetkni en ce moment? Alors chez Wetkni... Parce qu'on a tendance à croire, imaginez qu'un groupe de 5 jeunes Algériens diplômés en Algérie, expérience algérienne, certaines expériences internationales aussi, parce que je sais que certains d'entre vous ont voyagé, ont vécu un petit peu à l'étranger, sont revenus plus tard... Mm-hmm.
Et ce n'est pas de toi dont je parle. Aujourd'hui, on s'attend quand même à une certaine dynamique, une certaine Alors, ça dépend de la créativité. Ça dépend de l'angle de vue. Alors, l'angle de vue par rapport au marché et à l'environnement en particulier. C'est-à-dire que nous, on essaie d'évoluer dans les limites ou dans les contraintes dans lesquelles on évolue. Et pour l'année 2019, on s'est mis sur un projet qui s'appelle Watkins Market. Et l'idée est d'interconnecter à la fois les marchands, les professionnels de la logistique et les acheteurs. Donc, comment ça marche? On invite tous les partenaires de la logistique qui ont un service qui couvre le maximum de wilaya en Algérie à venir s'implanter dans notre écosystème et à offrir leurs services à des marchands qui, eux, sont prêts à faire le pas vers, on va dire, un e-commerce 1.0. Puisqu'il n'y a pas l'opération se fait toujours avec du cash en delivery, mais la mécanique, comment marche la mécanique, c'est que maintenant, sur votre clinique, si vous pointez sur quelques types de pages et vous faites le filtre livraison, vous allez tomber sur des annonces avec un bouton spécial qui est le bouton commander. Une fois que vous appuyez sur ce bouton-là, on vous demande où vous voulez vous faire livrer cette commande. Le vendeur de ce produit-là vous contacte dans un délai bref, entre 4 et 24 heures. Et par la suite, une fois la commande validée, quelqu'un de la team logistique viendra vous livrer votre produit, vous demandera un dû en cash et retournera ce dû-là au vendeur. Au vendeur. Ça concerne tous les produits qu'il y a sur Watkins ou c'est juste une sélection? C'est un peu difficile avec les maisons, mais on fait avec. Non, je plaisante. Essentiellement sur des produits qui... J'entends les vendeurs. Alors les vendeurs, non. On essaie de voir ceux avec un statut légal qui permettrait aux gens d'avoir leur facture comme il se doit et de pouvoir collaborer légalement et avoir des assurances par rapport au service de logistique. C'est un peu la problématique qu'on a, puisque l'environnement, comme je le disais tout à l'heure, est fait, et surtout pour Watkins, c'est fait de gens qui sont, on va dire, professionnels ou semi-professionnels, c'est-à-dire qui s'exercent à devenir professionnels en vendant quelques trucs, et une fois qu'ils voient que ça marche pour eux, font le pas vers l'ouverture d'un juste commerce et avoir Vous êtes une sorte d'incubateur ou là, de validateur d'idées. Enfin, vous permettez aussi de faire aux gens de valider leur idée de business. Il y a beaucoup de gens qui s'essayent à des business sur Watkins et qui vendent à petite échelle. Puis par la suite, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Ils s'essayent d'abord sur Watkins et un peu sur Facebook. Après, ils voient que sur Facebook, ce que je disais tout à l'heure, il y a du reach. Mais ils constatent que le retour sur investissement est beaucoup plus intéressant pour eux sur Watkins, puisque les gens qui viennent sur Watkins sont là dans une logique d'achat et n'ont pas une logique d'autre chose. Ok. Mais maintenant, si je comprends bien, donc vous mettez les mains vraiment dans le... Parce que vous n'êtes pas un e-commerçant, Watkins. Pas du tout. Enfin, mais vous allez le devenir. Ça dépend le modèle. C'est-à-dire vous commencez à mettre les mains dedans, ça dépend le modèle sous-entendu. Parce que qui dit e-commerce, on pense directement au modèle Amazon, alors qu'on est plus dans un modèle, pour ne pas répéter avec eBay, mais on est plus sur un modèle Alibaba. Oui, qui a été racheté. Ou c'est... eBay. Je parlais d'Alibaba qui est, c'est-à-dire qu'il y a un quoi modèle plus... Alibaba racheté. C'est une exclusivité carrée que je ne connais pas. Peut-être. Alors. Par Brenco. Kylian, inchallah. Alors, c'est plus un modèle à l'Alibaba qui est un peu plus décentralisé, qui donne la main plus aux acteurs. C'est-à-dire qui ouvre la porte à tout le monde, puisque sur le modèle Alibaba, également, vous avez c'est un ensemble de vendeurs classés sous différents critères, et c'est un ensemble de sociétés de logistique qui, elles aussi, offrent leur tout ce qui est livraison, mais également warehousing, etc. Enfin, après, il ne faut pas oublier qu'Alibaba, il est en Chine, hein, donc il a bénéficié, il a bénéficié de l'écosystème industriel
non naissant. Et d'une certaine taille de marché. Voilà, même, de milliards de personnes. Non. La taille du marché d'Alibaba, c'est le monde. Non, mais je parle de, déjà. Mais tu as raison, le local. Chine, le local. Ceci dit, je crois que les Chinois n'achètent pas souvent sur Alibaba, non. D'après ce que je sais. C'est plutôt sur Tenden. Non. Sur, ils achètent exclusivement, sur, enfin, essentiellement sur les sites de ma filiale de Alibaba. Ouais. Vous en avez deux. Vous avez Taobao et Tmall. Le petit chien. Voilà, Taobao qui est destiné à monsieur tout le monde, c'est-à-dire tous les vendeurs, qu'ils soient professionnels ou pas, peuvent vendre sur Taobao. Sur le WordPress, quoi. Quelque sorte. Ouais. Et vous avez le modèle Tmall qui, lui, a été exclusivement dédié aux marques sur la Chine. Quelle culture de la Chine, quelle connaissance de ce marché, mon ami. Bon, on en parlera peut-être dans un autre épisode. Est-ce que vous visez à être racheté par Alibaba? Comment? Alibaba et les 40 voleurs. Voilà. Non, dans la stratégie, moi je connais beaucoup de startups, oui, dans la stratégie, à un moment donné, ouais, je veux être acheté par Flan. Alors, ou je vise par la notion de se faire acheter n'est pas quelque chose à discuter au quotidien. Comme je disais tout à l'heure, on est assez occupé avec à la croissance et aux objectifs qu'on s'est fixés pour. Si ne tu pas pouvais trop aussi réfléchir. Te concentrer sur parler dans le micro, ça serait top. J'aimerais bien, mais c'est. T'as vu, il l'éloigne à chaque fois. Il maintient toujours la même distance avec son micro. Il s'avance, mais il recule le micro. Alors, on attend demain à mettre. Ça mord pas. Chara comme aujourd'hui à Andy Watkins. Alors, un peu plus de 60 collaborateurs. Une soixantaine de collaborateurs. Wow. Tu veux dire pas de collaboratrices? Si. C'est mieux, mais en français. 40 ans, 40, 70. Charles. L'âge. Le mix. Non, l'âge. Le mix est assez équilibré. Vous avez quelque chose comme peut-être 50. Et Wetlin, c'est quoi? C'est une boîte de techos ou là une boîte aujourd'hui de commerciaux de, c'est quoi? Alors, pendant longtemps, puisqu'on s'occupait que du... On avait le business model de la publicité. On avait un focus plus sur le techo. C'est-à-dire qu'on n'avait pas une entreprise grandissante sur ce point-là, puisque l'avantage des fondateurs de Watkins, c'est qu'on était un peu polyvalent et on pouvait mettre la main à la pâte assez facilement sur le côté techo. Mais par la suite, en développant d'autres business models et en ayant d'autres aspirations, on s'est rendu compte qu'on devait rajouter une couche moins techo et avoir plus de personnel qualifié sur des métiers qu'on ne maîtrisait pas. Et du coup, là, c'est ainsi que la société a commencé à grandir en recrutant des gens qui étaient complémentaires à des tâches nécessaires à l'évolution. Alors, on va avoir bien, parce que ça fait une semaine, il faut que je connais moi de Kines. C'est quoi le plus âgé fait comme Chala Maro Lyoma? 31, Balek. Ce qui est bien fait comme 31 ou c'est entre 87 et janvier 89. Donc 31. 30-31. Ok. Et c'est quoi les profils? Donc les formations? Tout le monde est diplômé, pas diplômé? Alors, c'est quoi, là, tu as de la statistique pour ma part, tu as de l'informatique pour d'autres et tu as de la pharmacie pour certains. Ok, très bien. Il faut bien décacher des doigts pour. Et quand vous avez commencé, c'est vous-même qui avez commencé à développer la plateforme et tout. Et Black, comme tu disais, besoin naissant. Tout en faisant d'autres métiers qui ne sont pas forcément. Le premier million de dinars, c'était au bout de combien de temps? La 10e année. La 13e. C'est dur. Hier. Alors, le premier million. On attend Asna, c'est quoi que vous avez fêté? Le premier client, le premier million, le premier milliard de centimes? Je sais pas. C'est quoi? Alors, pour être sincère. Vraiment, l'achievement, c'est tout. Pour le récapitulatif, l'idée de Watkins n'a jamais été de faire une entreprise. Mais c'était juste d'avoir un projet entre amis. Alors, bonne question, Jamal. Bonne remarque, Jamal. Vous êtes regroupés les cinq, vous avez commencé à faire à développer le projet. وقتاش كريتو لونتربريز بين نهار اللي قعدتو قلتو نبداو ولا شحال من وقت 2-3 ans après. Donc vous avez commencé في النوار في الانفورمال ماشي معليش معليش لا لا c'est pas une question t'es informel ou pas informel, c'est juste parce que il y avait pas de clients, donc on était c'était un mini projet qui grandissait mais on arrivait à le gérer. Il y avait pas de choses à faire payer. Au début vous c'était pas l'objectif, le prix. Il y avait aucune nécessité de ni d'investir ni de et vous vivez de quoi avec l'ort
de traitement en étudiant à la fin. Mazal comme étudiant la majorité. Après, par la suite, la nécessité d'avoir un jeu de commerce est venue avec les premiers clients sur le business model publicitaire. Okay, les gens nous demandaient de faire de la publicité, mais c'était de grandes sociétés qui avaient besoin d'une facture. Et c'est là où on s'est Alors au début, est-ce que vous avez fait appel à des entreprises qui ont fait pour vous du portage? Ou là, vous avez passé le pas directement? Non, on a eu le conseil sage de la boîte qui a pour longtemps commercialisé des produits publicitaires de Hotkniss, de nous dire, écoutez, il y a une demande de la part du marché et que il y a les premiers bons de commande sont là, ils couvrent quelques dépenses si vous restez restreint sur le besoin de l'entreprise pour un départ. On bootstrap quoi. Voilà, et après on s'est dit c'est le truc sérieux à faire et c'est là où on a décidé d'ouvrir de créer l'entreprise et par la suite. Mais laissons tomber le modèle publicitaire. À mon sens, ce n'est plus un modèle viable. Non, mais c'est logique quand tu pars sur une logique win. Tu crées une plateforme déjà à l'époque. Aujourd'hui, ça a totalement transformé Wetkniss. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir aujourd'hui, c'est quelle est la prochaine étape de développement de Wetkniss et surtout quel contre-être souhaiterait Wetkniss lever. Parce qu'en fait, moi, on est en train de raconter l'histoire. Voilà, c'est ça mon objectif. Je m'en fous des milliards ou pas des milliards. Mais l'idée, c'est pour que tout le monde comprenne. C'est le déclic, c'est, je l'ai dit peut-être, moi, j'ai parlé en argent, mais ça peut être en user, ça peut être C'est à quel moment où il y a eu le déclic? Est-ce que c'est vraiment le premier client ou non? C'est le moment où on a eu le... Après, il y a eu des petites anecdotes entre le moment où le site a démarré et on a eu la société. Par exemple, le premier article, on s'en souvient tous. C'est-à-dire, on a reçu une demande de la part d'un journaliste et qui nous demandait de nous envoyer une photo. Ça sentait la blague, etc. Entre copains, etc. Tac, tac, tac. On a quand même joué le jeu et on s'est retrouvés dans séquence souvenir, j'ai encore la brochure. C'était moi le journaliste. J'avais 20 ans. Je ne vous l'ai jamais dit, mais c'était une blague. Hein. Par la suite également, on a eu plusieurs participations dans des foires, etc. Et le fait est d'avoir des gens étrangers à notre environnement proche qui nous disent « Ah, j'ai utilisé » ou même de voir des gens utiliser notre plateforme, c'était quelque chose de spécial pour nous. C'est-à-dire on se retrouvait, puisque le principe de Hotkniss, un des fonctionnements de Hotkniss, c'est de faire de la modération concernant le contenu diffusé sur Hotkniss. Et on faisait cela les premiers temps. C'est-à-dire on se concentrait sur l'activation des annonces, comme on l'appelle, et on se retrouvait face à des annonces de gens qu'on ne connaissait pas du tout. Est-ce que vous avez un growth hacker chez vous? Un growth hacker. Alors, pas spécialement. On se penche sur la question. Toi qui es statisticien. On se penche très souvent. Ça dépend des projets. C'est-à-dire que on essaie de voir pas le growth hacking pour l'entreprise, mais pour les services qu'on essaie d'établir. Oui, c'est pas segment de produit, quoi. Et alors, Bditut Kbro, donc forcément Bdal Raché, l'infrastructure technologique qui fait Jdarto. C'est-à-dire. Le besoin de serveurs. Alors les premiers temps, c'est-à-dire on avait. On était hébergé chez le Ceris, comme tout le monde. Là, il n'est pas e-commerçant. J'ai compris. Je reviens 10 ans en arrière. Pour l'anecdote, le premier hébergement qu'on a utilisé au départ pour Hotkniss, en fait, la seule dépense qu'on a eue pour démarrer Hotkniss, c'était juste le nom de domaine. Puisque à l'époque, il y avait des gens assez sympas sur le net qui offraient des espaces d'hébergement sur leur serveur qu'ils avaient hacké. Non. Ils offraient ça gratuitement aux gens. C'est-à-dire que vous pouviez avoir un hébergement gratuit sur Internet avec des fonctionnalités limitées, mais vous aviez quand même quelque chose, une adresse, une IP sur Internet sur laquelle pointer votre nom de domaine. Et c'est pour cela qu'on s'était juste focalisé sur l'achat du nom de domaine et pas trop, on se cassait pas trop la tête sur... On s'est cotisé à 5 c'était normal. On s'est cotisé à 5 pour acheter le nom de domaine. Et après, donc, plus il y avait de monde, et comment vous avez fait? Aujourd'hui, je pense que vous êtes obligé à un moment donné d'héberger en Algérie.
Vous oui, passez pour la partie transaction ouais. Et après données personnelles, oui. Mmh. Mais sinon, vous êtes à l'international comme tout le monde. Ça dépend. Ça, oui, ça, le, c'est pas que ça dépend, mais c'est un mix entre les deux où il y a une partie, c'est-à-dire. En gros, la partie stratégique et légale est locale, la partie fonctionnelle, ouais. Les icônes. Enfin, pour l'instant, et encore une fois, je le dis encore une fois, pour l'instant, il n'y a aucun texte d'application entre de Deruchtab. Donc, faites ça. Mis à part la technique. Non, attends. Pour la data personnelle, il n'y a aucun texte d'application. L'autorité n'a pas été mise en place. Voilà. Oui, mais le... Pour le ICO, ah, si, si, je le confirme. À l'air copté. Ou, pour l'instant, il n'y a ni jurisprudence, ni décret d'application. Il faut le faire. Faut vite. Mais s'ils le font sur la base de la loi qui existe, c'est une catastrophe. Deuxième étape, il y a la loi de, du e-commerce donc, qui définit clairement. Alors, il faudrait que d'abord, Wetknis rentre sous, sous la définition d'un e-commerçant comme Jumia. Et même Jumia, elle se dit ne pas être un e-commerçant. Hein, parce qu'il croit qu'un islam est un hommage. Alors que... On redoit dire la loi sérieusement. Dès le moment où je disais que la transaction de, d'échange, de mise en relation, et à un moment donné, même si physiquement dans les faits c'est vrai que la marchandise elle ne transite pas par toi, donc la propriété ne transite pas par Wetknis ni Jumia, mais tu participes à la transaction, donc c'est comme si tu faisais du resell. Et le grand risque, c'est que, et j'arrive à cette question à un moment donné, on voit, c'est qu'il y a des transactions, tu as des choses volées, c'est ça, donc à ce moment-là, tu es obligé d'avoir un minimum de sécurité, etc., etc. Donc tout ça pour dire que, je continue sur les questions techniques. Mais ils ont raison, on regarde la loi. Oui. Ok, beaucoup de sites ne rentrent pas dans la définition du e-commerçant au regard de la loi. Exactement. Ok, donc quand Jumia te dit je ne suis pas e-commerçant, il entend par là au regard de la loi. Quand tu lis la loi, tiens, on peut lire une loi. Non. On fera un jour. Tu sais quoi, l'exercice, ça va être de débat de la loi sur le e-commerce. Parce que vraiment, j'en parlais la dernière fois. Hein, quand on se met du côté consommateur. Comment on voudrait que la loi évolue? Voilà, bon, on fera un numéro probablement lié à la loi. C'est ça. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est Wetknis. Bah, est-ce que vous avez été consulté pour. Réponds, je te dis. Comment tu veux que ça devienne? La seule, et j'arrête avec le technique, deux questions simples. Pour Taqafa Amal Jumaa et tout ça, et c'est même, ça oriente les jeunes vers vous au cas de besoin. Alors aujourd'hui, en termes de. Est-ce que vous utilisez des technologies, parce que votre plateforme, ok, c'est un site web, mais c'est plus un site web sympa, hein, il doit supporter un million de personnes, voilà, c'est plus du jeu. Est-ce que vous utilisez des technologies de Google ou de Amazon, ou est-ce que vous avez développé un maximum de... Très loufko zéna ta edoka. Demain, tu as des jeunes qui veulent ils cherchent un job. Ils vont me dire, moi, j'utilise du Amazon. Ils ne sont pas nombreux à utiliser du Amazon en Algérie. Il y a des gens qui veulent s'expérimenter. Ils savent que Wetknis, voilà. Et nous, on utilise du Amazon, nous, on utilise du Google. Voilà. Et nous, on n'est pas une boîte comme... Donc, il faut pas avoir me faire taire, au contraire, on parle de technologie. Et deuxième question que je te laisserai répondre, hein, et deuxième, je les donne les deux comme ça. En termes d'organisation aujourd'hui, est-ce que vous êtes en mode DevOps, l'agilité, comment vous êtes organisé aujourd'hui? Voilà, et je m'arrête sur le côté technique. Et tu regardes ton avocat, c'est ça? Mon client clame le cinquième amendement. Là, oui, ne souhaite pas. Alors, c'est plus ça. Sur le côté technologie, je vais être. Je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire. Non, on est très pragmatique pour beaucoup. On sait. C'est-à-dire. On va dire le. Pour notre situation, le dédié reste plus intéressant que si tu entends par Google et Amazon, la AWS et le Google Cloud. Le dédié, c'est-à-dire si tu arrives à le gérer en coût, reste toujours intéressant, c'est-à-dire par rapport à nous. Quand on fait les calculs, etc., on utilise ces technos, mais sur d'autres fonctionnalités. Sur des fonctionnalités, sur de l'analyse de données, etc., ouais, ouais. etc. Mais c'est plus des métiers qui ne sont pas en front. Voilà, ce n'est pas en stream que tu utilises les technos. Sur l'organisation, il y a une organisation, mais ça reste pragmatique. Ce n'est pas quelque chose... on ne suit pas une école de pensée. Peut-être que je me trompe. Quelqu'un me dira, en fait, tu es en train d'utiliser tel et tel autre. Ce n'est pas...
On s'en fout. Oui. Et par la suite, l'autre question, c'était lié à la loi, c'était ça? L'évolution. Moi, la question, bah, parce qu'on, juste pour ne pas s'étaler sur le sujet de la loi, mais exemple, est-ce que vous aviez été consulté, vous Pas avant la publication de la loi. Ah, c'est encore. Très bien. Ardona pour les textes applicatifs. Ouais. On a donné notre avis. On a donné un peu nos opinions sur ce qui pourrait bloquer, même au-delà de Watkins, qu'est-ce qui pourrait bloquer l'application réelle de cette loi-là, ou du moins de la voir sur le terrain. Et à notre sens, si on analyse tous les marchés, quel que soit le marché, que ce soit le sud-américain, l'extrême-est asiatique, les acteurs majeurs de l'e-commerce ne sont pas les sites pure player, mais sont les plateformes, c'est-à-dire les Amazon, Alibaba, et ainsi de suite, même en Amérique latine, c'est Mercado Libre. C'est-à-dire, vous prenez n'importe quel type de marché, vous trouverez que la plupart, ou du moins la grosse partie de l'activité e-commerce est faite sur ces plateformes-là, qui laissent aux petits acteurs la possibilité de jouir de... Encore une question et j'arrête, on l'a. D'audience que non, Cash API, t'as comme ? Pourquoi faire ? Moi personnellement, nous sommes une société de traitement de data et avoir accès à l'API de Watkins, ça peut être intéressant. Faites une demande. Là. Trois exemplaires, 21-29-7. C'est parce que signature légalisée à la mairie. Je rejoins, s'ils font ça, je et voulais, à nous envoyer par fax, merci. S'il te plaît, par Telex. Alors non, parce que le... Non, en tant que produit, je parle d'une API. Oui, en tant que je parle pas d'une API. En tant c'est que, pour ça que je t'ai répondu. Je vais pas te faire une demande pour que tu me développes une API. Ça s'appelle un bon de commande. On a nos propres API, on a... C'est-à-dire que les données ne sont pas de façon... sont structurées. Elles sont structurées et elles quittent les API en place. C'est pas ça, c'est la demande vis-à-vis du marché. Vous êtes une société de traitement de données plus chaque dame, mais manage une demande de votre part ou de la part d'autres acteurs liés ou la... Je fais des solutions qui pourraient être mixées à cela. D'accord. Attention, on a smart. Parce que c'est comme ça que ça commence, il faut donner des exemples. Je vais te raconter. Moi, j'ai un cofondateur, les DT Cos, côté commercial, côté technique, ou un domaine. Il y a, je dirais, 3 ans à peu près, on bûchait sur un sujet, on avait besoin d'accès à la data, et on se disait, la data, on peut la trouver sur Watkins, quoi, tu vois. Et de fil en aiguille, on rigolait, on disait, on peut scraper donc votre site, pas de problème. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'on a imaginé qu'on scrape le site web de Watkins, où le gars, on a eu des transactions illégales. Par exemple, une belle devise. On s'en fout de la transaction illégale. La transaction illégale, c'est le fait que faire une vente de véhicules sans la déclarer, donc tu ne payes pas d'impôt, il y a un problème déjà. On a donc listé ou garde les transactions. Tu n'es qu'un vecteur. la base de données, développer une API, on va chauffer les impôts. On a banque, il y a deux solutions. Ou les impôts, ils font ou ils chauffent l'utilité parce que ça fait de la TVA et voilà. Ou sinon, Karim, tu n'auras jamais cette API. On va faire simple. Pour dire, quand tu donnes accès à une API, c'est ton API, donc c'est plus du scraping parce qu'il y a des sites. Alors, je ne sais pas, je ne me suis pas renseigné, mais par contre, tu vois des comparateurs à apparaître. S'il n'y a pas d'API quelque part, qui fait que le comparateur est scrapé. Je suis en droit de te dire, déjà, il faut que je me protège contre le scraping, c'est à moi de me protéger. Enfin, Internet, il faut comprendre, c'est la logique, mais c'est à toi de te protéger, c'est pas à moi de pas t'attaquer. Ça fonctionne comme ça. Donc, du coup, il faut se protéger. Après, une deuxième.
Eh, c'est comme ça Internet, il faut remettre. Il y a pas de, quand tu es sur Internet, il faut accepter le fait que Kimad, c'est intéressant pour toi de ne pas avoir de boundaries, de limites, de frontières. Et ben le hacker de l'autre côté kiff man. Donc à un moment donné, il faut que tu te défends. Donc technologiquement parlant, après bien évidemment, il faut essayer de se défendre dans le légal. Hein, et il faut le cadre légal au-delà de tout ça. Le cadre légal. C'est pour ça que je dis encore une fois, le technologique est au service de tout ça et inversement parfois. Hein. Et aujourd'hui, des Wetknis a forcément fait face à ça. Il génère de la data qui peut être très utile aussi pour lutter contre ça, etc. Mmh. etc. Donc c'est pour ça que je disais, l'API a un intérêt pour nous, c'est un intérêt d'étude, donc c'est différent, mais il peut avoir un autre intérêt au niveau économique, etc. etc. Ça, c'est, de manière générale, c'est la data qui est générée par Wetknis qui peut être regardée sous plusieurs angles et donc générer de la valeur. C'est de la je valorisation c'est, de données. C'est une des business models de Wetknis qui peut être... Eh bien, tu seras surpris que beaucoup de sites font du scrapping au quotidien et certaines annonces atterrissent. Pour alimenter leur oui, bah c'est ça. Et beaucoup d'annonces atterrissent chez eux. Et on a beaucoup de plaintes de la part de nos utilisateurs qui disent C'est-à-dire qu'on se retrouve très souvent face à cela et n'essaye pas de se dire ah, tiens, c'est de la publicité en plus ou là c'est quelque chose comme ça. Non, ils veulent réellement avoir un contrôle et ils savent qu'ils mettent leur contenu sur Wetknis. Ils ont un moyen de suspendre avec le contenu à tout moment. Par contre, quand ça dépasse Wetknis, c'est une des problématiques qu'on a, c'est le fait que. Il y a un scrapper quelque part, etc. Donc, oui. Le futur. Le futur. Alors, comme je disais tout à l'heure, on zappe le sujet loi pour le. C'était juste pour savoir est-ce que vous. Tarafa Amma, c'était de dire, first of all, est-ce que Wetknis avait été consulté? Ce serait bien de discuter de la. Enfin, une prochaine fois de la loi, mais notre avis, c'est le chaînon qui manquait dans cette loi-là, c'est la place des marketplaces, ou du moins des plateformes en général en Algérie. Il y a un texte de loi intéressant aux États-Unis qui est apparu, je crois, en 98-99. Je me rappellerai après le numéro, mais qui stipulait, décriminalisait les plateformes. À l'époque, il y avait un problème entre AOL et autres, je ne sais plus quelle société, mais à partir de ce texte-là, ça a permis à des plateformes comme Facebook, YouTube, etc., d'héberger du contenu d'autrui. Et de ne pas être le responsable premier, tout en ayant toujours l'obligation de réagir face aux ordonnances de la justice, mais de pouvoir évoluer en toute sérénité. Mmh. Et ça serait un cadre très important pour l'évolution de plateformes s'il y a beaucoup d'acteurs ou startups voudraient se lancer dans ce domaine-là. Et les autres plateformes, vous êtes copains, vous êtes pas, c'est quoi la catane? Wetknis avec les autres plateformes de e-commerce qui commencent à prendre, qui ont du sens, hein, je ne parle pas des plateformes lunettes. À mon avis personnel, c'est-à-dire on reste très 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 peu, on n'est pas beaucoup d'acteurs pour un marché aussi grand que l'Algérie. C'est-à-dire qu'à mon sens, j'aimerais voir 10, 20, 30 autres acteurs sérieux entre parenthèses investir la place et c'est ce qui aiderait tout le monde à évoluer dans le bon chemin. Enfin, je posais la question pour dire, voilà, je mets la copse selon une fois pour toutes, un sujet à dire. On se connaît pour certaines. Parce que c'est un sujet qui touche tout le monde. C'est puisqu'il y a normalement, on a invité Omar Ayesh, qui a monté le cluster du digital. Et parce que j'allais dire, pourquoi pas un cluster des e-commerçants. Après, je me dis, mais il y a le cluster du digital, alors je dis cluster. Mais en fait, parce que Bzafnes Mefamouch, la logique des clusters, c'est qu'ils clament les acteurs du e-commerce, des plateformes par exemple, elles sont capables de proposer des normes, de standardiser le métier, de se défendre, de défendre l'intérêt de tout le monde, etc. etc. Mais je pense que là, Karim pourrait nous partager une ancienne expérience qui s'appelait le Barcamp, et qui était quelque chose de... intéressant pour l'évolution de l'écosystème tech. Ça permet de discuter. Après, on le voit aujourd'hui, il y a la participation des pouvoirs publics. C'est une excellente chose. Reste à savoir l'utilité de faire un énième cluster ou plutôt de se concentrer sur l'existant. Là aussi, c'est
Mais il faut parler. C'est ça le plus important. Il faut faire parler les acteurs entre eux, parler avec tout le monde, échanger. Et c'est comme ça qu'on va construire un écosystème. Moi, je pense que souvent, même quand on est concurrent, nous avons des points qui nous rassemblent. Et les points qui nous rassemblent sont souvent liés aux problématiques que nous rencontrons. Mmh. Hein, les problèmes d'ordre juridique, légal, environnement, écosystème, etc. Et que, bien évidemment, il faut en discuter en toute maturité, parce que c'est important, et les mettre à plat pour les formaliser, et ensuite en parler, et les partager, et 2K ROI est justement une des plateformes où vous pourrez le faire. Et donc, je pense qu'avec Karim, on va rapidement envisager quelque chose avec 2-3 acteurs pour débattre justement peut-être ou discuter ou relire la loi en question avec les effets que ça implique. Moi, pour une première lecture, je me suis rendu compte que si cette loi était appliquée pour Amazon à son lancement, Amazon ne serait jamais devenu Amazon parce qu'il y a un tas d'interdictions, notamment de ne vendre que les produits dont on dispose en stock. Alors ça, c'est quelque chose qui m'avait largement surpris. Il va te dire, moi, je dispose de rien en stock. Et donc, tu n'es pas e-commerce. Au lieu je me concentre à développer le plus normalement mon business tranquillement, je vais me concentrer, comme je l'avais dit plusieurs fois, à comment contourner. Voilà, contourner la loi. Or que la loi, elle est là pour me faciliter l'accès à mon marché, à me protéger, à protéger tous les acteurs et encadrer le business. Protéger le commerçant. Tout le monde. Protéger le client. Tout ça parce qu'évidemment, et donner un cadre légal à cette transaction. Tu sais, il y a un truc qui est très intéressant, que j'aime beaucoup, moi, c'est un proverbe qui dit « La coutume est un usage qui a acquis force de loi. » Okay ?» Donc on décrit un mécanisme, on observe un mécanisme auprès de la société, et c'est à un moment donné qu'on la formalise dans une règle, dans une loi. Et on mesure aussi le taux de fraude, si tu veux, de cette loi, et à un moment donné, s'il dépasse un certain seuil, on doit remettre en cause la loi essentiellement, plus que les gens. Si on se dit que cette loi, il y a 50% de fraudeurs autour de cette loi, c'est que cette loi, elle est bizarre. Elle ne correspond pas aux usages, elle ne correspond pas réellement à la réalité. Donc il faut la penser aussi dans cet esprit-là, cher législateur. Une des évolutions, si tu me permets, moi j'aime parler de futur avec Wetknis. Wetknis aujourd'hui est passé d'une logique d'annonce, peer-to-peer, en market, en store plus exactement, hein, avec des abonnements qu'elle vendait agences de voyage, mais produits, etc. Mais pas que. On parle dans le micro, sinon tu vas en prendre une. Toi, je te dis. Ah là là. Et maintenant. Ma cache, ma canise l'habille, ni halwa, ni walo. Non. Moi, mon compte Wetknis demain, il va tout à l'heure, allez, désactiver. Donc là maintenant, on passe à une logique market avec un écosystème d'accompagnement logistique, puisque vous introduisez des livreurs qui vont pouvoir... Et donc quand il y a une commande qui est faite, elle est validée par un vendeur pour ordonner un ordre de récupération, puis de livraison. C'est un petit peu ça. La prochaine étape finalement, c'est le paiement. Inch'Allah. Ok, ça me finit, c'était 2K ROI. Non, on a essayé. Tu te rends compte, le commentaire, c'est Inch'Allah. Est-ce que c'est tout le massé? Alors, dans le cadre légal. La GIE, la SATEM, voilà. Alors, pour la défense, c'est-à-dire. Leur défense, oui. Leur défense, c'est que eux fournissent beaucoup de. Pas leur défense, d'abord, situation. Qu'est-ce qui se passe ? Situation, c'est que comme l'a dit Karim, la loi en question, la loi e-commerce sur laquelle se reposent les tout ce acteurs, qui reste. Je veux dire les acteurs du monde de la finance, pour valider ou non des idées de start-up, c'est la loi e-commerce mai 2018. Et sur cette base-là, ils essayent de formaliser des procédures pour obtenir cette fameuse licence qui permettrait aux personnes de percevoir leur dû à travers le net. Alors, le problème majeur reste, comme tu l'avais dit, la disponibilité du stock, etc. Mais quand il y a des acteurs qui rassemblent l'ensemble des critères de cette loi-là, rester avant le fait de devoir payer certains frais fixes et récurrents,
qui, je pense, ont été revus les dernières semaines, et c'est une très bonne chose. Mais également, la problématique concernant les données à héberger en Algérie, et ce n'est pas de notre enquête, et nous, on est en position de le faire de façon plus ou moins agile, mais d'autres acteurs n'ont pas trop le choix vis-à-vis de l'offre en question d'infrastructure, et ils sont obligés justement d'aller à l'étranger pour héberger leur contenu, non pas pour exporter des données d'Algériens, mais Des solutions. c'est la seule solution. On est face à un monopole par rapport au serveur. La seule solution avant que Wetknis ne propose sa solution d'hébergement. Kilium Inch'Allah, puisque a priori la taille critique sera atteinte, et dans le même Moselle qu'un Amazon. Puisque Wetknis fait 700 millions de dinars de chiffre d'affaires, il va commencer à investir en Algérie dans des data centers, c'est clair. Et c'est eux qui vont construire le data center de j'allais dire, Rouéba. Et ben, Balak, c'est un lapsus révélateur. Vous allez reprendre la SNVI. Ou Dérohana Data Center. Non, mais chez Fruiba, mais chez Fruiba. Fly SNV. Zone sismique, badge. Non, je ne travaille pas. Data Center. Zlan Habsa. Data Center. Normal, je ne vais pas faire de Knis. Très bien, t'as le parrain. Normal, normal. Non, je vais aller japonais, bladom gam, ksom à l'arbre. Quand je me dis, je vais me dire, je vais me dire, je vais me dire, je vais me dire, Data Center, que tout va bien. Donc faut pas. Oui, mais ça, c'est parce que t'as pas le choix. Et malèche, ils ont pas le choix. Quand nous, on a le choix. T'imagines, tu sais ce que ça veut dire transformer le style de la SNVI en data center? T'imagines ce que ça voudrait dire? Alors, quand ça arrive, ça qui m'a dit, déjà, on va manger parce que maintenant, quand même, ça. On va pas que je vais là. Déjà, on va aller nordique, mais le malèche, on va pas, on va voir un peu plus de terre. On va aller faire pas mal malèche. Il y a eu des annonces dernièrement concernant justement les data centers pour en faire un par wilaya, que cela s'accompagne par des faits réels ou non, ça reste quelque chose d'accord. Non, non, je vais vous montrer. Moi, je sais pas compliqué. Je vais vous montrer la tête de Karim. J'en ai une tag parce que Idirona Data Center, on réinvitera Inch'Allah Mahdi pour en parler, parce que lui, c'est un spécialiste Mahdi Ndaf. J'avais eu cette discussion. Il dit ouais, Data Center, c'est de l'IA. On fera une petite capsule de définition. L'IA, c'est l'infrastructure as a service. Il dit ouais, mais après, on va faire des trucs. قلت له واحد لنا دو اس اي اس او خلعتني دو سوفتوير از سيرفيس قلت له باش تفهموا حنا رانا في الباس اليوم بلاتفورم از سيرفيس ما جمون فو دو تان اي جمون فو دو تان اس مو جو توت لا بلاتفورم از سيرفيس كوم جوجل كوم امازون مو جي با لو تان دو مي بروندر لا تيت ا جيري ان سوفت او جيري دو دو لانفراستركتور مو جو فيان فار مون بيزنس مون بيزنس سي دو ميت ان ريلاسيون دي جون كي فون فولوار فار دو كوميرس فار ليفري ان سلعه جوري لا لوجيستيك علاش راني نخمم انا في الداتا سنتر ولا فرانس ريكتور ومننا ومن خلاص هذيك سي دي كونسوماتور وي مي اون طونك ضروري مي سا سي دي زونسيان بيزنس موديل اجوردي لي بيزنس ضروري احكام فتح الضمه نو مي سيريوزمون سي اون فوا لا سي اون فوا لي انفستيسمون في ديرنيرمون دون لو كابلاج افيك لي بيي دي ميتروف دو نور اي لانتيري بورتي بار سارتان مينيستير بور ليكسبانسيون او دو موان ليكسبورتاسيون دي برودوي اي لي سيرفيس فير دي بيي ليميت sud, on peut voir aisément c'est-à-dire une conjoncture qui ferait que l'investissement sur les data centers en Algérie pourrait porter. Et pour ma part, le fait juste. Ce message est sponsorisé par Algérie Télécom et porté par Jamal Wetknis. Mais ça, plus sérieusement, je ne m'adressais pas à Algérie Télécom. Ah, il s'adresse au. Mais c'est plus le fait de d'investir dans ce domaine. C'est pour ça que je l'avais dit tout à l'heure. C'est pas important que ça se fasse ou non. Le fait de l'annoncer. Et ça titille les esprits et ça mène. Wetknis va construire des data centers. C'est pas notre métier. Même Amazon, c'était pas son métier. Non, mais et aujourd'hui, il nous fait des films comme Netflix. Non, qu'est-ce Netflix? Vous allez lancer le Netflix indien? Ouais, je l'ai là. Pour être plus sérieux, je pense qu'à un moment donné, il peut y avoir une opportunité pour Wetknis, portée par les pouvoirs publics qui sont dans une démarche de soutenir les startups, aider au développement, les accélérer, la croissance, etc., de permettre de nouer des partenariats public-privé, donc entre
le détenteur de la licence Internet, etc. Donc, en gros, l'opérateur télécom propriétaire de l'infrastructure essentielle qui s'appelle Algérie Télécom, qui devra ou qui est déjà infrastructure d'hébergement, hein, qui devrait l'avoir en tout cas, et permettre à WebKnis. Par contre, il y a peut-être une autre flexibilité qu'il n'a pas, que pourrait fournir, que pourrait intégrer WebKnis, tu vois, dans cette fameuse écosystème là où on propose d'offrir des stores, où il faut héberger des données, etc. Donc WebKnis pourrait fournir peut-être à terme, dans cette logique de continuité, de permettre la création de boutiques, de fournir un service, une mise en relation logistique, etc., pourrait envisager de manager, et non pas d'investir, mais de manager des serveurs, enfin un centre d'hébergement qui pourrait être en conformité avec la loi pour son nombre de clients, parce qu'il a une taille suffisamment critique pour, à un moment donné, arriver à des économies d'échelle et donc rendre le service beaucoup plus accessible. L'élément manquant, et s'ils réussissent à l'intégrer aussi, qui serait le paiement pour compte. Quand je dis le paiement pour compte, c'est-à-dire que WebKnis serait collecteur, puis je ne sais pas comment on va le dire, collecteur, revendeur, corrige-moi si je me trompe, mais on peut imaginer demain que tu viennes chez WebKnis ouvrir une boutique avec hébergement, paiement, conformité avec la loi, etc., avec ton nom de domaine directement et faire partie de tout l'écosystème d'annonces. C'était Yahoo dans les années 90. C'était Yahoo dans les années 90, pourquoi pas. Mais on est en retard Oui, oui, bien sûr. Tu connais l'histoire il y a un copain qui est parti au Japon. Non, je vais le raconter celle-là parce qu'elle est intéressante. Il y a un copain qui est parti au Japon et... merci, il est préparé. Ça. Ouais. Et il reçoit l'appel d'Alger. Je suis au Japon. Excuse-moi. Mais il y a combien de décalage horaire? Alors, 200 ans et 8 heures. Écoute, regarde, Jamal sourit. Je crois à du bateau. Bon, on terminera sur ça. J'ai décidé. Je te regarde. Bon, nouvelle charte graphique. Un nouveau logo, ouais. Ou du moins un logo complémentaire au précédent, puisqu'on est plus emmené à être dans des espaces un peu plus confinés. L'écran de téléphone. Voilà. En d'autres termes. Dans des poches. Voilà. Et du coup, on s'essaye à une nouvelle charte qui s'étalera au fil des semaines suivantes. Inch'Allah. Un dernier mot pour la fin de cette année 2019. Une annonce à faire, Jamal. La blague. Une annonce. WebKnis, une annonce à faire. Bien sûr, j'ai compris, j'ai cru. Voilà. C'est trop bien. Ne casse pas. Alors, l'année 2019 a été, je pense, comme je disais tout à l'heure, Karim, très riche pour tout le monde. En émotion et en nouveauté pour nous. On espère que l'année 2020 le sera davantage sur le plan économique. On aimerait bien avoir un peu plus de stabilité, revenir un peu plus de stabilité sur le marché et voir plus d'évolution dans l'écosystème digital algérien, voir des startups offrir des solutions complémentaires, voire même concurrentes à celles existantes, mais qui aient un certain dynamisme sur le marché. On voit beaucoup de porteurs de projets avec des idées intéressantes. L'idée, comme le diraient beaucoup, n'est pas le plus important, mais c'est plutôt l'exécution. Donc, voir un peu plus de maturité sur ce plan-là serait quelque chose de formidable. Inch'Allah, on ne souhaite que ça. Voilà. Karim. Et c'est ainsi que s'achève notre numéro spécial avec notre ami Jamal de WebKnis. Quelques annonces ont été faites, quelques commandes vont être faites. Tu permets qu'on crée un compte sur WebKnis pour diffuser notre podcast? Avec grand plaisir. C'est vrai. Mais Fifi, gazelle du désert. WebKnis pour les nuls. WebKnis expliqué par ses fondateurs. Jamal, merci beaucoup. Merci on se reverra, Inch'Allah, très bientôt. Atenak, c'est lié à les questions gentilles. Regarde la caméra en face de toi. Dis, fais un coucou à la caméra. Parle aux gens sur Internet. Non, je crois que c'est plutôt celle-là à droite. C'est celle-là. Tu y es. Mm-hmm. Vas-y, dis-le. Clôture avec nous l'émission. On a une tradition, c'est hey, hey, hey. Merci d'être à notre écoute. C'était Toka ROI avec Karim Bourri, Karim Abdemoula.
et Jamal. C'est tout. Dib. Ah, ouais. Allez, Ro, tu nous dis ciao. Allez. Jamal, ciao. Merci beaucoup. Merci à la prochaine, Inch'Allah. Et je te souhaite une bonne année, Mendorka, à toi, à toute l'équipe. C'est vrai, bonne année à vous tous. Ou Kilio, Inch'Allah. Data center, SNV, OK, يضرب في السماء وبلا وشفاو شفاو يا ربي برك طولنا في العمر هذا ما كان. هيا طفي علينا الضو خويا كريم. تشاو تشاو تشاو.